Bien et bonjour, vlog numéro 13. Aujourd'hui, une autre soirée de lapping. On est encore avec le bolide. J'ai pas grand chose à faire depuis le dernier événement. Peut-être mes pneus gonflés, l'autre set, à checker les huiles, tout ça. On refait un petit check-up dans le fond, s'assurer que tout est encore à 1. Là, je vais aller mettre de l'essence dans ma canne de spare, au cas où j'en manque. Charger les GoPro et ces affaires-là. Continuer de me préparer un peu. Puis ça, je vais sûrement refaire une autre vidéo de mise au point sur le char. Fait que c'est ça, on va commencer par aller chercher du gaz. Fait qu'on se revoit tantôt. Rebonjour, on vient d'aller chercher l'essence. J'ai rechecké le niveau d'huile aussi. Puis, clairement, il commence à boire de l'huile, de quoi. Fait que. On va remettre de l'huile. Puis on va vivre avec. Parce que c'est ça. Si ça casse, ça casse. On se privera pas d'aller se faire du fun. Comme j'ai dit dernier coup, y'a ça. Si jamais y'a de quoi. Donc on va retoper ça au niveau. Puis on va retourner fouetter ça. Un autre soireux, j'ai eu bien du fun le dernier coup. Encore mes problèmes de transmission que je sais pas trop ce que c'est. Puis en tout cas, bien des problèmes au niveau du mancalis. Stoink dans le plafond. On s'en va se faire du fun pareil. Changement d'huile serait dû aussi. Fun fact. Pas juste sur ce char-là. Bon, ça a plus d'allure de moins. Puis on va aller drifter le 10-11 octobre. C'est une croix justement au Halloween Bash. Fait que c'est ça. On va avoir une couple de petits préparatifs là, un changement d'huile. Faut que je me fasse des steering rack spacer, des bushings, parce que là j'ai trop d'angle. Mes tie rods vont à côté en tout cas. En roulant normalement ça change rien, mais full lock ça drift, ça peut aller faire barrer à roue, puis c'est pas trop bon. Fait que j'ai ça arrangé, l'huile a changé. On va faire un check-up complet, puis. Mais ça, c'est pour une autre journée. À soir, on va retourner faire du lapping. Mon ami Ray est allé s'acheter un casque. Il est allé l'aider à acheter un casque. Je vais pouvoir faire des tours. Il a l'intention, je pense, de mettre sa Mustang éventuellement sur la piste. Mais je vais commencer par faire des tours, qu'il voit un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais gonfler mes pneus. Puis mes pneus d'asper, je vais peut-être bien changer les pneus, mais probablement rendu sur place. Ma GoPro est chargée, pas mal tout mon stock est loadé. Là, il est présentement 3h-10. Ça commence à 5h, puis c'est 1h de route. Fait que j'aimerais ça en rejoindre mon ami pour 4h, vu qu'il finit de travailler à 4h. En tout cas, je vous refais une petite vidéo, soit avant de partir ou comme dans le cours de route, peu importe. Je suis arrivé au poste à gaz avec mes boys philippins. Wouh! Yeah! Fait que là, on met du gaz, puis on monte là-bas, puis c'est ça, je vais vous faire une petite vidéo rendue sur place. On vient d'arriver à Sainte-Croix. On va t'arrêter prendre quelques photos ici. Il y a une place abandonnée. On est littéralement à 5 minutes de la piste, fait qu'on se revoit rendu là-bas. On est arrivé, sérieux, la vue ici. C'est insane! Je vais aller manger un peu.
Puis après ça, on va se lancer pour la première session. Driver there. You're really awesome, man. Thank you.
ça va d'être fini le lapping. Faites bien des tours, ça fait bien plaisant. J'ai eu des conseils. Puis c'est ça! Fait que ça va probablement conclure la vidéo d'aujourd'hui. Il reste encore les choses à pacter pis tout. Puis bref. On va se dire à la prochaine, sûrement revenir vendredi prochain. C'est un genre d'activité que je vais refaire souvent. Fait que c'est ça, on se dit à la prochaine.